Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans un état presque fébrile parce que je mourais d'impatience de vous présenter une nouvelle astuce que j'ai dénichée donc cet après-midi. Donc cette astuce, elle va consister à relancer le développement de votre poitrine de façon totalement naturelle, totalement sans danger également. Et vous pouvez également l'utiliser quand vous êtes en pleine puberté. Donc cette vidéo, elle était totalement imprévue, mais comme je vous ai dit, j'ai découvert ça cet après-midi. Je vais vous raconter d'ailleurs de quelle façon est-ce que je l'ai découvert, parce que vous voyez comme quoi c'est fou, parfois on découvre les choses alors qu'on n'a pas prévu de les découvrir. Et comme vous êtes aussi souvent nombreuses à me demander de quelle façon est-ce que je... comment est-ce que je découvre certaines choses pour après vous proposer ça en vidéo, c'est une façon de vous expliquer un petit peu la source. Donc cet après-midi, j'étais chez moi et j'étais en train de me préparer une grosse commande que je voulais passer chez Aromazone pour vous faire un haul, donc vous présenter non seulement le site pour vous montrer que c'est un super site pour faire vos produits vous-même, à prix défiant toute concurrence bien entendu. Donc je m'étais fait une liste de tous les genres de produits que je voulais préparer pour ma famille et pour vous présenter aussi les recettes en vidéo. Et le dernier ingrédient que j'ai ajouté à ma liste, il se trouve que cet ingrédient, c'est un ingrédient qui est juste presque révolutionnaire, on va dire, pour réactiver la pousse de la poitrine. Donc il s'agit d'un fruit qui pousse en Afrique. Donc c'est principalement une astuce, un soin que s'appliquent les femmes d'ailleurs africaines. Donc vous ne m'en voudrez pas, je me suis fait des anti-sèches, on va dire, pour pouvoir vous expliquer tout en détail, ne rien oublier et être le moins brouillon possible. Donc il s'agit d'un fruit qui s'appelle le Kigelia. Et ce fruit sur Aromazone, je crois que c'est de l'extrait, c'est de l'extrait alcoolique ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a le mot alcool dedans et le mot extrait. J'ai acheté un flacon donc, de 5 ml qui était à 4,50 €. Donc sur le site Aromazone. Et visiblement, c'est le fruit qui a été très 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 concentré. Donc c'est le fruit qui a été mélangé avec son propre alcool, je crois. Parce que vous savez, un fruit, quand il macère, au bout d'un moment, il fabrique de l'alcool, quoi. Et ensuite, ça a été concentré par évaporation de cet alcool. Donc vous avez 85% de concentré de fruits à l'intérieur d'un tout petit flacon. Et 85%, d'après ce qu'en disait le site Aromazone, c'est juste un pourcentage de concentration qui est excessivement élevé et concentré. Donc là, vous avez affaire à vraiment un produit surpuissant. Donc pour éviter d'être confuse et de me perdre dans mes explications, je vais vous dire ce que j'ai rédigé à partir de ce que j'ai trouvé sur internet, parce que bien entendu, d'après la description que j'ai vue d'Aromazone, j'ai eu envie de faire des petites recherches. Donc d'après Aromazone, c'est un produit donc qui est utilisé par les africaines, qui est un excellent raffermissant et tonifiant pour la peau, et il stimule et développe le galbe des seins. Donc, vous vous doutez bien qu'en lisant une chose pareille, ça m'a fait tilt. Non pas que j'ai besoin de me faire gonfler les seins plus que ça, parce que j'ai un énorme tour de poitrine. Donc c'était pas vraiment pour ça moi que je voulais l'utiliser à la base. J'ai trouvé ce produit en marquant en fait dans la barre de recherche repulpant. Parce que je voulais me fabriquer, si vous voulez, un baume pour la nuit qui pourrait repulper les lèvres. Et parmi les suggestions que j'ai eues par la suite, je suis tombée donc sur cet extrait de Kigelia, voilà. Donc au niveau des lèvres, je sais pas vraiment ce que ça donnera, je ferai l'expérience de toute manière, hein, qui ne tente rien à rien. Si jamais ça fonctionne, je vous diffuserai la petite recette que j'aurai créée donc, sur YouTube. Sachant que moi je suis pas trop du genre à suivre les recettes à la lettre, donc je sais qu'Aromazone propose des recettes déjà toutes faites, mais j'ai un sérieux problème avec le protocole et j'aime bien faire à ma sauce en permanence, toujours, en tout et pour tout. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et comme je disais aussi, donc j'ai pas forcément besoin personnellement d'en mettre sur la poitrine, mais ce que je ferais, c'est que il paraît que c'est un très bon gros tenseur. Donc moi, comme j'ai eu un bébé il y a 2 ans, j'ai le ventre qui est plat aujourd'hui, mais la peau a été distendue, ce qui fait que j'ai la peau qui tremblote. Donc j'essaierai de me faire un soin et d'en mettre sur le ventre pour voir si effectivement ça va aider à rendre moins flasque, on va dire, la peau du ventre. Donc on va revenir aux effets principaux donc, du Kigelia, donc de ce fruit africain. Je suis vraiment désolée, je regarde beaucoup sur mon calepin, mais je veux vraiment être sûre de vous faire une vidéo complète. Donc apparemment le Kigelia, c'est un fruit africain qui est riche en pectine, et les pectines, ça activerait, si vous voulez, les cellules de notre corps. Donc ce fruit contient des stérols, qui est une structure très proche de l'hormone responsable de l'augmentation mammaire chez la femme. Les scientifiques ont trouvé qu'il était possible de stimuler les œstrogènes à n'importe quelle période de la vie. Donc les œstrogènes en général, ça se stimule, vous savez, quand c'est à la période de la puberté. Donc c'est quelque chose de cellulaire, quelque chose de chimique qui se produit dans le corps. Et voilà, ce sont ni plus ni moins que les hormones qui vont faire que votre poitrine va augmenter.
Apparemment, l'estérol, c'est ni plus ni moins, on va dire, que cette hormone, donc l'œstrogène, qui va permettre à la poitrine d'augmenter. Donc si clairement vous appliquez cet extrait de Kygelia sur votre poitrine, ça va ni plus ni moins que reproduire la phase prépubère, voilà, où on a les seins qui commencent à gonfler, ça va vous faire exactement la même chose. Voilà, et la dernière phrase d'ailleurs, c'est ce que je viens de vous dire. Donc ça favorise une croissance identique à celle de la puberté. Après, je pense que vous allez me demander si c'est définitif ou si ça ne l'est pas. Je vais vous dire très sincèrement, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les résultats, d'après ce que j'ai pu en lire sur internet, les résultats sont assez bluffants et impressionnants. Donc on a vraiment une poitrine qui va, comment dire, être plus tonique, plus bombée. Et on va peut-être gagner un petit peu en poitrine. Donc soyons réalistes, je pense pas qu'on puisse attendre d'un 85B qu'il devienne un 100E. Je pense qu'au contraire, ça va réactiver un petit peu la circulation du sang, ça va vous créer des hormones, ça va vous donner un coup de jeune à la poitrine, si vous voulez, et ça va peut-être aussi vous la retendre, vous la regonfler, vous la rendre plus charnue, mais en aucun cas, ça vous la rendra provocante. Voilà. Je vous invite quand même à aller jeter un petit coup d'œil sur internet et faire vos propres recherches. Ma vidéo est juste à titre indicatif. Je vais vous rappeler le prix aussi du produit, à combien je l'ai acheté. Donc je l'ai eu à 4,50€ pour 5 ml. Donc 5 ml, ça va vous paraître complètement dérisoire comme quantité, certes, mais n'oubliez pas que je vous dis que c'était concentré à 85%, ce qui est juste énorme. Ce produit, en général, on l'applique pas pur, enfin en même temps je sais pas vraiment ce que ça fait au niveau de la peau, si ça brûle ou si ça brûle pas, donc je peux pas vous dire si c'est grave si on en met directement à même la peau comme ça, mais en tout cas pour toutes les préparations que j'ai pu voir, etc., donc si jamais vous pouvez mélanger ça à un baume ou une lotion pour le corps ou à tout ce que vous voulez, enfin vous le mélangez avec un produit que vous avez l'habitude de vous répartir sur le corps, je pense que ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus pratique en fait pour bien répartir le produit. Donc les filles, j'espère que la vidéo vous aura beaucoup plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.